encore ce soir. Béni sois-tu pour ton serviteur, que tu disposes, que tu renouvelles. À ton nom, donne gloire. Merci, cher Seigneur. Amen. Nous recevons le revenant de Dieu Germain. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Are you? Yeah. You? Yeah. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux, il est le Dieu vivant, le Dieu puissant. Nous savons que ce soir, le diable veut, oui, il ne veut pas. Vous serez voués à la bénédiction. Nous allons voir, nous allons survoler un petit peu ce que c'est que l'héritage. Et puis peut-être l'année prochaine, on pourra rentrer avec beaucoup de plus de détails. Parce que le Seigneur m'a dit, nous allons continuer sur la lancée d'hier. Alléluia. On va encore continuer sur la lancée d'hier parce que j'ai senti que Dieu a commencé à libérer son peuple. Et même à travers les prières prophétiques, vous pouvez encore voir beaucoup de choses. C'est pourquoi je demande à tout le monde de rester attentif et vraiment de recevoir le Seigneur Jésus. J'ai dit aux nouvelles personnes, la Bible dit dans Proverbe 29, verset 1, « C'est lui qui mérite d'être sauvé et qui redit son coup sera brisé subitement et sans remède. » Il est également dit dans Proverbe 29, verset 9, tu peux lire. Proverbe 29, verset 9, qu'est-ce qu'il a dit? Proverbe 29, verset 9 dit, si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. C'est pourquoi vous devez écouter ce soir. Alléluia. On va lire tout ça, psaume 44, verset 1 à 9, toujours le vrai valide. Psaume 44, verset 1 à 9. Ce soir, le diable veut ou ne veut pas vous serez voué à la bénédiction. Notre Dieu est au milieu de nous et on va encore briser les fardeaux. Donc on parlera un peu de l'héritage, mais ça sera sous forme de délivrance. Mais tout à l'heure, nous allons aller point par point. À chaque point, on va s'arrêter et demander à Dieu de libérer totalement le peuple. On ne va pas aller jusqu'à la fin du message, mais à chaque titre, on va s'arrêter et faire un ministère. Alléluia. Parce que ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Dieu va agir, Dieu va se manifester. Et comme je vous ai dit, quelles que soient les oppositions, les attaques, Dieu va vous bénir à Tresème. Vous n'êtes pas convaincu? À Tresème, place, à la même place. Vous serez bénis. Alléluia. C'est pas en allant dans d'autres églises à droite et à gauche. Non, c'est dans cette église-là. Là où tu es venu, là. Faut pas quitter. Faut pas aller chercher ailleurs. Tu seras béni à Tresème. Verset 1 à 9. Voilà, nous lisons. 44 et 9. Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras. C'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es en moi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Amen. Alléluia. Père Saint, merci pour ton amour, merci pour ta compassion, merci pour ces moments que tu nous donnes. Père Saint, dispose les cœurs, que notre esprit de lourdeur soit brisé, que notre esprit d'attaque soit brisé, que notre esprit d'opposition soit brisé, que notre esprit de sommeil soit brisé, que la puissance et l'onction du Saint-Esprit nous assiste maintenant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Ce que je viens de lire, cela a été fait par David. Il raconte ce que leur père a fait. Dans 1 Roi 8, verset 22 à 23, et 54 à 58, il est parlé également de la dédicace du temple de Salomon. Et où il a eu aussi à prononcer des paroles sur le peuple. Il a dit un certain nombre de choses au Seigneur. Si le peuple vient pour prier dans ce lieu, Dieu demande, Salomon demande que le peuple soit béni. Et alors il va prononcer beaucoup de bénédictions qu'il va préparer pour les enfants de Dieu. Il va prononcer un certain nombre de choses sur les enfants de Dieu. Et tout ce qu'ils prononçaient était leur héritage. Tout ce qu'ils prononçaient, c'était leur promesse. Frère et soeur, je vous dis quelque chose. Nous savons qu'en Afrique, nous avons tous nos parents.
Vous avez vos parents, et moi j'ai mes parents, et tout le monde a sa famille. Et chacun a hérité de ses parents quelque chose. C'est ce que les parents s'aimaient que vous récoltez maintenant. Alléluia. Alléluia. C'est ce que les parents s'aimaient que vous récoltez. Vous êtes les héritiers de vos parents. Alors on sait qu'en Afrique, on peut hériter de beaucoup de choses. Si votre famille est riche, en tout cas après leur mort, même de leur vivant, vous héritez de ce qu'ils ont, de leur richesse. Si votre famille aussi est une famille de sorcellerie, le plus souvent ces personnes-là sont attaquées partout. J'étais à New York et j'ai vu que il y avait une soeur en plein New York, Manhattan, dans cette beauté-là, dans un grand jardin. Elle a commencé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'héritage de ses pères, ses parents étaient des féticheurs. Les esprits en plein New York, dans cette civilisation-là, étaient encore sur la fille, alors qu'elle était partie pour se chercher aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a hérité de nos pères quelque chose. Ce soir, on va comparer les deux héritages. L'héritage de Christ et ce qu'on a hérité de nos parents. Frères et sœurs, on va se débarrasser des héritages, ce qui n'est pas bon, on va tout enlever tout à l'heure. Alléluia! On ne va pas aller de l'avant, on va tout à l'heure enlever avant de continuer le message. Donc cette femme a commencé à crier, en plein Manhattan, pendant qu'on se réjouissait, pendant que tout le monde était content, c'était beau, c'était joli. Regardez, quand vous arrivez à New York, Manhattan, c'est comme un damier. Les rues sont bien tracées et c'est très, on ne peut pas se faire parce que les rues sont bien tracées, il y a des immeubles, c'est très joli. Quand vous allez vraiment, il y a du monde. Il y a des magasins comme Messis, on peut tout visiter. C'est la joie, vraiment. Quand les Ivoiriens arrivent là-bas, c'est la joie. Mais cette soeur, dans plein mandat, on s'est réjouit. Elle n'était pas encore libérée. Pourquoi? C'est l'héritage qui vient de loin. Je ne sais pas ce que tu as hérité de ton père ou de ta mère. Qu'est-ce que tu as hérité? Certaines personnes ont hérité l'esprit d'eau. Ce qui fait que toute leur vie, et ce qu'on a brisé hier, cet esprit-là était sur leur vie. C'est ce que leurs parents s'aimaient, qu'ils ont commencé à récolter. Tout à l'heure, on a lu le test, regardez dans un roi, dans les psaumes, c'est ce que Salomon a prononcé, David a prononcé, Jésus a prononcé, ça c'est l'héritage des enfants de Dieu. Alléluia! Et c'est ce qu'ils ont semé là, que nous récoltons. C'est-à-dire que notre promesse, notre héritage n'est pas le fruit d'un travail. C'est ce que les gens ont déjà fait, c'est ce que Jésus a dit. Mais ici, on se rend compte que notre héritage, ce qui vient de nos parents, c'est clair. On était un jour dans une ville d'Adelphie. Il y arrivait là-bas, on a un mouillard. Doit être enlevé de votre vie. C'est pourquoi ce matin, vous devez enlever complètement l'héritage. Parce que c'est vrai, si vous avez hérité des maisons, ça c'est très bien, c'est votre héritage. Là ça marche. Mais sur le plan spirituel, ce que vous avez hérité de vos parents, c'est pas bon. C'est en Jésus que c'est bon. Alléluia. C'est ce que vous avez reçu en Jésus que c'est bon. Mais ce qu'on a hérité ailleurs, c'est pas bon. Ma maman est venue, elle est assise aujourd'hui dans la salle. Je suis très content qu'elle soit venue ce soir. Elle était malade, mais Dieu l'a touchée. J'étais aux États-Unis, on m'a appelé, on dit qu'elle est très malade, elle a frôlé la mort, elle même au téléphone, elle peut plus respirer, c'était grave, elle devait mourir, mon petit frère aussi est là, elle devait mourir. J'ai dit à Dieu, je vais partir, je vais la voir, je vais lui prendre une maison, elle va vivre dedans, et puis sa vie va se prolonger. Alléluia. Aujourd'hui elle est assise là. Mais qu'est-ce que j'ai hérité justement d'elle? De les fétiches. Et dans notre famille c'était des fétiches, toutes sortes de choses. Elle nous avait donné toutes sortes de choses. J'avais moi-même un cadenas. Le cadenas, quand on ferme le cadenas, vous mourrez. Si on vous dit votre nom, on ferme le cadenas, vous ne pouvez pas du tout ouvrir la bouche. C'est-à-dire que tous ces grands types qui sont ici, quand ils arrivent au village là-bas, si vous avez le cadenas, on dit leur nom, on ferme. Même si on ne vous fait passer par le scanner, votre bouche reste fermée. Donc elle m'a préparé aussi. Elle est assise là, elle a préparé aussi un cadenas. Donc j'avais mon cadenas. Donc je gardais ça comme héritage des parents, parce que c'est ce qu'eux ont reçu. Et nous, on avait ça dans notre main. Mais lorsque les esprits ont commencé à se manifester, ces gardiens n'ont pas marché. Parce que tout simplement, frère et soeur, je vous dis, les esprits que nous étions de nos parents, ça ne peut pas nous conduire ailleurs. Ça nous envoie totalement en enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Alléluia! Elle a tout fait. Elle avait dans sa maison, elle avait des statuettes comme cela, plusieurs statuettes, plus de 24 statuettes. Mais comme elle n'était pas chrétienne, elle dit, mon fils, viens ici. Donc, on va dire que tu es chrétien. Voilà ces statuettes-là, ça, ils sont chrétiens. Ça, là, ils sont des démons. Donc, elle avait beaucoup. Donc, elle dit, bon, quand toi, tu es chrétien, attends, je n'étais pas chrétien, j'étais C-A-D-H-O. Donc, j'étais là, donc, je me mettais derrière les statuettes qui sont chrétiens. Et puis moi, il dit, toi tu peux t'asseoir là. Et maman se mettait le bout de la parce que là, c'est pas. C'est... Et on a tout hérité de ces choses-là.
Ce qui fait qu'un jour, pendant que je devais passer, j'étais aussi dans mon groupe, je devais passer donc l'examen du BEPC. On était tous au dortoir, aux choses en classe, parce que tous les élèves étaient partis, comment on appelle ça, à la maison, on regagnait les villes. Et ceux qui font les examens, les élèves qui doivent passer le bac et le BEPC sont en classe. Donc les nuits, on occupe les classes pour étudier. J'étais au tableau en train de démontrer un sou de axiome de Thalès, là, je démontrais. Tout d'un coup, on a senti une odeur rentrer dans la salle de classe. Une odeur puante, quelque chose de mauvais. Les élèves ont commencé à sauter par la fenêtre à droite et à gauche, à sauter. Ils ont tous parti. Comme j'étais au tableau, je suis revenu, j'ai pris mes affaires, je courais aussi au dortoir. Jeune dans le dortoir, tu sais, c'était mon gros denteur, on avait le dortoir B2, jeune dedans. On dit, Germain, l'odeur est sur toi. Tout le monde saute par la fenêtre dans le plein lycée. Tout le monde a sauté à droite et à gauche. J'étais donc resté en plein centre du lycée. Ce que je me promenais, l'odeur me suivait. Je passe ici, l'odeur me suit. Ça, c'est l'héritage des parents. Je n'arrive pas à comprendre. Je cours ici, l'odeur à droite et à gauche. Je dis, mais qu'est-ce qui va se passer? J'étais troublé. L'odeur me suivait. Les élèves disent, Germain, c'est toi, l'odeur te suit. Les élèves me fuyaient. Je vais me réveiller, ils s'enfuient. Moi aussi, je m'enfuis, l'odeur me suit. Qu'est-ce que je dois faire? Frère, je vais vous dire quelque chose. Avant de parler des cas chrétiens, frère et soeur, ce soir, on va se débrasser de tout héritage de vos parents. Parce que ce n'est pas la peine d'aller de loin s'il y a quelque chose encore au milieu de nous. Ça ne peut pas marcher. Et alors j'ai dit que je vais faire l'hypnose. Faire quelque chose, papa, qui fait me donner la force et tout ça. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Et ces choses-là me suivaient à tout moment. Ça me suivait. Tout ce que les parents ont fait, tous ces petits, ça me suivait à tout moment. Quand je dors la nuit, ces choses me suivent. Ça, c'est l'héritage du bon sang. C'est ce qu'on a hérité. Et on n'y peut rien. Et ça nous suit. Jusqu'à ce que j'arrive ici à Bidjan, la même chose. Ça dit que vous allez de ville en ville, votre héritage spirituel des parents vous suit partout. Vous ne pouvez que les parents s'aimer que vous récoltez. Voici pourquoi hier on a pris le temps en détail vraiment de passer le temps pour briser les cornes. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, avant de continuer tout à l'heure, on va s'élever. Et je vais demander à certaines personnes qui ont hérité quelque chose. Parce que, à cause de l'héritage des parents, mais aujourd'hui, j'ai dit le diable ne veut pas. Vous serez voué à la bénédiction. Alléluia. Et alors, pendant que j'étais là, pendant que je priais, j'étais parti au CHU. Il y avait des douleurs, des problèmes. Je suis revenu. Et alors, je voulais mourir. Je voulais mettre fin à ma vie. Donc, je m'en fous. Donc, les voitures venaient. J'étais sur la route. Je me promenais. J'ai dit, je m'en fous. Et puis, j'aimais beaucoup la philosophie, tout ça là. Donc, j'avais des papiers. Il y avait toutes sortes de bouquins que je lisais. Donc, j'ai pas de prix. Particulièrement, pendant 3 semaines au moins, j'étais à la maison. Et donc, je passais sur la route. Les voitures partent. J'ai dit, je m'en fous. Si vous n'avez pas envie de me cogner, moi, c'est pas un problème. De toute façon, moi, je vais partir. Et puis, pendant que je promenais sur la route, j'ai vu un livre. Un livre qui terminait par là. Les voitures passaient dessus. Je me suis abaissé. J'ai pris le livre. Donc, j'ai regardé un peu. Comme j'étais un grand philosophe, je lis. Il dit que ça c'est quoi ça? Ils sont bêtes. Hein? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu est la parole. Je vous assure que si j'avais pris l'évangile de Matthieu, ou dit Abraham engendra, j'allais jeter le livre. Ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'une personne engendre une autre. Mais ma question était comment? Au commencement était la parole. Ou la parole était avec Dieu. Et Dieu est la parole. Il dit, mais comment? Attends. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Attention. J'ai commencé à... Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu est la parole. Non, mais comment ça peut se faire? Donc je dis, au lieu de jeter, dis-moi ça, je vais aller développer ça. Donc j'étais parti donc pour développer. Alléluia. Donc j'étais parti pour développer. Pour essayer de démontrer comment ça peut se faire. Maintenant, en lisant, finalement, cette parole dont on me dit là, l'auteur s'en va rentrer dans un détail. 10 ans, progressivement, j'ai vu que ce monsieur, on l'a tué. Je dis, mais pourquoi on peut tuer ce gars qui est si gentil? Il a fait des miracles. Je vais lire l'autre page, il n'y a plus de page. Donc, là où il est mort, c'est là que les voitures ont déchiré les pages, c'est ça qui s'est arrêté. Mais je dis, mais ce gars qui est gentil, je dis, mais c'est pas possible. Mais ce gars-là, je l'ai maudit. Mais s'il était là, mais j'allais, mais c'est pas possible. S'il était là, ce monsieur-là, il allait vraiment m'attendre. Et puis tout d'un coup, j'ai éclaté, j'ai commencé à pleurer. À pleurer pour ce monsieur-là. Il dit, oh pauvre gars, tu as fait tellement de miracles. Oh, ils t'ont tué pour rien. Pourquoi on l'a tué? Donc j'ai commencé à pleurer. Premier jour, j'ai pleuré. Deuxième jour, j'ai pleuré. Troisième jour, j'ai pleuré. Il dit, mais enfin, c'est quand même bête, Germain le philosophe. Mais comment quelqu'un qui est mort, comment tu peux pleurer pendant 3 jours? Mais c'est pas possible. Voyez-vous? Et pendant que je pleurais là, j'avais l'héritage, ces esprits-là qui étaient toujours en moi. Le troisième jour, j'entends
Et de ce qu'elle sortit, on s'en va. Où vous allez? Finalement, tous ces esprits de mort, des trucs, tout est sorti en m'insultant. On s'en va. Ils disent, on s'en va. Mais c'est mon héritage, où vous allez? Ils sont partis, fio. Alors je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais comment ce monsieur, il meurt? Et puis je pleure, les esprits s'en vont. J'ai plus envie de mourir, j'ai plus envie de ressusciter. Mais je vais aller en profondeur. Quelque temps après, on m'a invité à Djamé, aux Assemblées de Dieu. Et c'est là-bas que le monsieur est venu. D'abord, je l'ai vu. Il est venu avec une Bible noire. Il a commencé à parler. Il a dit, vous êtes tous pécheurs. J'ai dit, tu mens. Moi, je n'ai jamais péché dans ma vie. Il parlait comme si, tu as vu, tout le monde est pécheur. Et ça allait du péché. C'est la mort. Et donc, la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Il a commencé à parler. Mais ce monsieur a passé tout son temps à nous insulter, à dire des choses que je ne veux pas entendre. Et il a dit beaucoup de choses et tout ça. Et alors que moi, je me croyais juste. Je n'ai jamais senti que j'étais un homme pécheur, frère et soeur. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il a fait l'appel. Je me suis approché. Et ce jour-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et Dieu m'a dit, tout ce que tu as hérité de tes pères, une nuit, il a dit, tout ce que tu as hérité, tout tombe aujourd'hui. J'enlève tout aujourd'hui. Maintenant, je vais te faire rentrer dans la promesse, dans mon héritage que j'ai préparé pour vous maintenant. Tu dois entrer là-dedans. C'est vrai que c'est une étude, c'est un homme qui peut prendre une semaine. Seulement, je vais faire le survol. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Alléluia, continue. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Alléluia! Voici ce que Dieu prononce donc sur Abraham. Frères et sœurs, est-ce que Abraham a cultivé pour recevoir cette bénédiction? Est-ce que Abraham a fait quelque chose pour recevoir cette bénédiction? Est-ce que Abraham a planté pour recevoir cette bénédiction? Abraham n'a absolument rien fait du tout pour avoir cela. C'est pourquoi, frères et sœurs, comprenez que vous serez bénis certainement. Avec vos parents, ils vont dire, j'ai cultivé, c'est pour moi, il y a des palabres dessus, il y a ceci dessus, non, c'est pour moi, votre héritage, vous allez vous discuter. Il y a des palabres là-bas, mais ici, ce que vous devez lire, Abraham n'a absolument rien fait. C'est pas parce qu'il méritait d'être béni qu'il a été béni par les soeurs. Ce soir, c'est pas parce que tu méritais d'être sauvé que tu as été sauvé. Non, c'est parce que Jésus a préparé déjà notre héritage avant que vous ne naissiez. Le salut était déjà préparé pour vous. Alléluia. Il faut comprendre ces choses. Car le salut même est immérité. Dieu a déjà tout préparé. C'est pourquoi notre récolte, ce que les parents ont déjà semé, ce que Jésus a déjà semé, c'est notre récolte. Nous allons récolter. Parce qu'il a déjà semé. Et on n'a rien fait pour recevoir ces récoltes-là. C'est des dons gratuits, c'est des promesses que le Seigneur nous a faites. Raison pour laquelle pas de soeur, ne murmurez pas. Jésus vous aime. Jésus m'aime. Jésus aime tout le monde. Voici pourquoi il a préparé notre bonheur avant que nous ne naissions. Frères et sœurs, ce soir, pour recevoir cette héritage, tout à l'heure, on va entrer en détail. Il faut que la vie de Jésus soit totalement implantée en vous. Soit plantée en vous. Parce que si la vie de Jésus n'est pas en vous, vous ne pouvez pas posséder votre possession. Il faut la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Pourquoi Jésus? C'est Jésus qui est venu sur la terre pour nous sauver. Il y a eu un conseil au ciel entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il a été décidé que Jésus soit désigné. Et c'est lui qui a été désigné pour la création. C'est lui qui a été désigné pour être le chef, être le premier de cette famille que vous êtes, vous et moi, pour être vraiment le responsable. Donc c'est lui qui a été choisi pour la création. Donc il a créé toutes choses. Parce que tout simplement, la Bible dit quoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Écoutez attentivement. Avant, dans l'Ancien Testament, on tuait les animaux. Pourquoi? Pour une personne qui possède un corps, une âme et un esprit, on tue un animal qui a un corps et une âme, mais qui n'a pas d'esprit, pour effacer ses péchés. En fait, dans l'Ancien Testament, Dieu était insatisfait. Pourquoi insatisfait? Parce que l'homme possède un corps, une âme et un esprit. L'animal qu'on tue a une âme et un corps, mais n'a pas d'esprit. Mais comment quelqu'un qui a trois parties
peut avoir ses péchés, être expié par quelque chose qui a deux parties, corps et âme. Donc ce qui fait qu'on tue beaucoup d'animaux, mais ça ne faisait que couvrir les péchés, le cœur de Dieu n'était pas satisfait. Il fallait trouver quelqu'un qui possède un corps, une âme et un esprit pour entrer en jeu, pour que réellement nous soyons totalement sauvés. Mais sur la terre, la Bible dit, il n'y a pas un juste. Il n'y a pas de juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais qui on va trouver? Personne. Voici pourquoi Jésus a pris un corps pour venir au milieu de nous. Mais Jésus était dans le corps, esprit, il ne peut pas mourir. C'est la chair qui meurt, c'est la chair qui doit tomber. Or la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais Jésus était dans le corps, pur esprit, il n'y a pas de sang dedans. Il faut qu'il prenne un corps pour qu'on puisse le tuer. C'est ce qu'il a fait pour nous. Voici pourquoi, quand le chrétien possède son héritage, c'est quelque chose de possédé. Personne ne peut dire mot. Ce soir, vous serez béni. Je dis, vous serez béni. Je dis, vous serez béni. Et alors, quand Jésus vient sur terre, alors sur terre, Jésus était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et donc, c'est lui qui est chargé de nous réconcilier avec Dieu. Il est esprit, Dieu est esprit, ça se communique. Il est humain, on est humain, ça se communique. Jésus est au milieu. Personne ne peut venir au Père s'il ne passe par Jésus. Il est esprit, il est parfaitement homme, parfaitement esprit. Parfaitement esprit en communion avec son Père. Parfaitement homme en communion avec les hommes. Il est l'homme préféré, l'homme choisi, l'homme incontournable, l'homme incontesté. Le diable m'a reconnu que Jésus est Seigneur. Alléluia! Frères et sœurs, donc, la Trinité a décidé que Jésus, toute chose soit mise sur la tête de Jésus. Ce qui veut qu'avant la création, Jésus avait la prééminence. Dans la création, Jésus avait la prééminence. Et même après la création, Jésus aura la prééminence. Quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, ça dépasse le cadre même de notre planète. Quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, non seulement de ce monde, mais même dans la Jérusalem céleste, c'est-à-dire au-delà même, après la terre, dans la nouvelle terre, Jésus sera toujours la lumière du monde. Alléluia! Il sera comme un flambeau avec le Père. C'est pourquoi ce soir, je parle de Jésus avant d'entrer dans l'héritage. Parce que c'est avec lui qu'on peut tout obtenir. Donc c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui est mort pour vous. C'est lui qui a eu compassion pour vous. C'est pourquoi quand Jésus ouvre la bouche, la terre se plie. Quand Jésus ouvre la bouche, les choses changent. Et quand vous êtes aimé par le Seigneur Jésus, frères et sœurs, vous êtes bénis à perpétuité. Vous devez posséder votre héritage. Vous devez posséder ce que Jésus a déjà planté pour vous. Il a la prééminence, c'est-à-dire qu'il est le premier partout. C'est pourquoi, frères et sœurs, avant d'abord de posséder son héritage, Jésus doit répondre pour votre principale ressource. C'est lui qui est la source de tout. C'est lui qui a la prééminence. Et c'est lui qui est tout. En dehors de lui, vous ne pouvez absolument rien obtenir. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le vivant. Il est le vivant et le vivant. Alléluia. Donc Dieu dit à Abraham, regarde. Oh là là. Il dit, regarde. C'est ce que tu vois qui sera ta possession. Or, l'héritage de nos parents disent, il faut faire ceci, tu as ceci, tu as été, Dieu dit, c'est ce que tu vois qui sera ta possession. C'est-à-dire, Dieu nous bénit. La main de Dieu est avec nous. Il dit, regarde. Mais pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre? Pourquoi? Dieu vous dit, pourquoi? Vous êtes flou. Dans la salle, qui a un haut diplôme? Tout à l'heure, on va faire un exemple. Qui a un doctorat ici? Levez la main. Quelqu'un a un doctorat ici? Un master. Il n'y en a pas? Un master. Voilà, madame, viens ici. Bon, viens. C'est pas grave. Mon frère, prends la Bible. Prends Isaïe. On va faire une démonstration, rapidement. Isaïe 29. Mais qui n'a pas eu de diplôme dans sa vie? Lève la main. Qui n'a jamais eu de diplôme dans sa vie? Voilà, monsieur, viens. Mais qui sait un peu lire? Tu sais un peu lire? Voilà. Alors viens. Voilà, il ne sait pas lire. Viens. Voilà. Montez ici. Voilà. Elle est diplômée. Elle a de hauts diplômes. Ce monsieur n'a pas de diplôme. Il ne sait même pas lire. Maintenant, comment ils vont entrer en possession de leur héritage? Le frère va lire Isaïe 29, verset 11. Oui, folie. Isaïe 29. Que toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Attendez,
Toute la révélation que Dieu vous donne, c'est comme les mots d'un livre cacheté. Et puis voilà, je prends le livre, attendez, donne-moi ce livre, voilà. Ok, et puis continue. Que l'on donne à un homme qui sait lire. Ça va. Et on donne, tiens, à un homme qui sait lire. Et qu'est-ce qu'il dit? Continue. En disant, lis donc cela. Lis. Mm-hmm. Et puis continue, continue. Et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Vous comprenez? Elle a PhD. Elle a tout. On lui donne, on dit, il faut lire. Elle dit, je ne peux pas, parce que le livre est caché. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en lui, 6 ans. Voilà, il ne sait pas lire en disant, il faut lire. Qu'est-ce qu'il dit? Lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Alléluia. Pourquoi? Continue. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi. Ça va. Vous pouvez vous asseoir. On acclame pour le Seigneur. Alors, écoutez très bien. La Bible fait toute la révélation, c'est comme un livre codé. Un livre codé. Dans la révélation, il y a votre bénédiction. Il y a votre promesse. Il y a tout ce que Dieu a dit. Alors, on donne à quelqu'un qui a son PhD, qui a ses faux diplômes, on lui donne. Il dit, si elle lisait, elle dit, je ne comprends pas. Pourquoi c'est codé? On donne à celui qui ne sait pas lire, on lui donne, il dit, mais oui, il n'y a rien. Je ne sais même pas lire même. Frères et sœurs, pour obtenir les bénédictions de Dieu, ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas une question que j'ai étudié, ce n'est pas une question que j'ai un diplôme, mais il faut que notre relation doit être étroite avec le Seigneur Jésus de Nazareth. Parce que toute la révélation est codée. Tout est codé. 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 Alléluia. Je m'en fous de ton diplôme, parce que tout est codé. Quand il dit Kora Papa, c'est quoi? C'est bien, c'est tout bien quoi. Lui aussi, il n'a pas de diplôme, il veut dire Kora Papa Baba. Alléluia. On parle la même langue. Il n'y a pas à faire des diplômes dedans, des positions sociales dedans. Parce que toute la révélation est codée. Alléluia. Tout est codé. Donc pour avoir le code, c'est très important, il faut avoir le code. Tu as PhD, et tu dois suivre le même principe que celui qui n'a pas été à l'école pour décoder. Ce qui fait qu'il n'y a pas de discrimination. Alléluia. Parce que l'héritage que nous possédons, tout le monde doit avoir son héritage. Voici pourquoi, si tu n'as pas ton PhD, tu n'as pas de diplôme, tu ne sais pas lire ce soir, tu vas être béni, oué par le Seigneur. Ce que ton cœur désire, tu vas l'avoir. Car Dieu dit à Abraham, il dit, regarde, c'est ce que tu vois que tu possèdes, que tu vas posséder par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia! C'est ce que tu vois. Derrière toi est le Seigneur. Ton héritage, tu vas posséder ton héritage. Il y a plusieurs codes. Aujourd'hui, on ne parlera pas de codes. Il y a au moins 10 codes, mais on ne parlera pas de codes aujourd'hui. L'année prochaine. Alléluia. Donc, c'est codé. Quand c'est codé, frères et sœurs, seul, étant dans le Seigneur Jésus, les choses peuvent être de côté. Je prends un exemple simple. Un jour, que le roi Nebuchadnezzar, le roi babylonien, était en train de. Dans un rêve, il a vu une vision. Il a vu une grande vision. Cette vision le tourmentait. D'abord, il ne sait pas quelle vision il a eue. Il ne sait pas l'explication. Donc, il a eu la vision. Et dans le peuple, il y avait quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu qui pouvait décoder. C'était... Oui, ils se sont forts ici à l'église. C'était Daniel. Donc, pour décoder, il a fallu que Daniel arrive parce que Daniel avait l'Esprit de Dieu en lui. Avoir l'Esprit de Dieu, ce n'est pas PhD. Hein. Alléluia. Vous avez une relation avec le Seigneur. Alors donc Daniel était venu pour décoder. Et Daniel, en décodant ce livre, frères et sœurs, il a bouleversé sa génération. Et nous aussi, on doit bouleverser notre génération, frères et sœurs. Et l'Esprit de Dieu en nous, l'onction de Dieu en nous, la puissance de Dieu en nous, siégeant dans le conseil de Dieu, on peut décoder. Voici pourquoi plusieurs ont passé à côté de leur promesse, de leur héritage. Pourquoi? Leur diplôme, c'est qu'ils ont mené ça pas décodé. Toute la révélation, la Bible ne dit pas deux révélations ou trois révélations. Il dit toute la révélation est comme un livre cacheté, un livre codé. Voici pourquoi il y a des principes qu'il faut suivre. La fois dernière, on a vu qu'il y a quelques principes.
Le tiers, on n'a pas tout vu. Le tiers seulement. Actuellement, vous êtes dans le conseil de Dieu, comme le pasteur a dit, ça se fait graduellement. C'est un état là-dedans, frères et sœurs, que vous pouvez écouter. Ici, Daniel et ses amis ont marqué leur génération. Pourquoi ils ont pu marquer leur génération? Parce que tout simplement, ils ont pu décoder. Et en décodant, frères et sœurs, ils ont obtenu tout ce qu'ils savaient. Dieu dit, regarde, Abraham. Et quand Dieu a donné ces choses à Abraham, plus tard, quand Jacob est entré dans ce lieu-là, il a aussi été béni. Alléluia. Il est entré dedans, il a été aussi béni. Avant de je vous ai dit quoi? Que David chantait, psaume 72, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que l'or de Séba vienne, que l'or de Shabbat vienne. Et lorsqu'on lit dans la Bible ici, dans le livre de 2 Chroniques 9, verset 1 à 9, plus tard, pendant que Salomon était assis là, la reine de Séba a apporté de l'or, de l'argent à Salomon. Pourquoi? Parce que déjà David a prophétisé. Il a dit cela. L'héritage est venu. Alléluia. Frères et sœurs, sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable au Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu se promènent en disant, je n'ai rien. Je n'arrive pas à comprendre. Oh Dieu dit, regarde, ce que tu vois, je te donne. Ce que tu vois, je te donne. Tu dis non, je n'ai rien. Il dit non, regarde seulement. Tu as la tête. Ta tête un peu. Soulève ta tête et dis, regarde, ce que tu vois, je te donne. Il dit, Abraham, regarde, tout ce que tu vois, je te donne. Alléluia. Pourquoi Salomon a reçu l'ordre de Séba? Parce que tout simplement, frères et sœurs, David avait déjà proposé là-dessus. Amen. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un va mourir, l'enfant bénit, le papa bénit tout le monde. C'est-à-dire, quand, par exemple, Abraham devait mourir, il bénit ses enfants. Quand Isaac devait mourir, il bénit ses enfants. Et ainsi de suite. Donc quand Isaac devait mourir, il a béni tout le monde. Il n'a pas maudit. Il bénit tout le monde. Et tout ce qu'il prononce, c'est l'héritage. Ça se réalise. C'est la promesse, ça se réalise par la suite. Et c'est tellement puissant que tout ce qu'il sort se réalise. Alléluia. Alléluia. Donc Isaac n'a pas maudit. Écoutez attentivement. Donc à chaque génération, chaque personne maudit, je dois bénir. Donc Isaac a béni le peuple. Maintenant, quand Jacob était né, finalement, lui aussi, il était prêt à mourir. Il doit aussi bénir le peuple, pour que tout le peuple qui doit bénir puisse aussi rentrer dans l'héritage. Parce que l'héritage, ce n'est pas le fruit d'un labeur, c'est une promesse, c'est une bénédiction. Donc Jacob s'élève. Dans le peuple, il y a eu des problèmes avec les 12, avec ses 12 fils. Il y a eu des problèmes avec Siméon et Lévi. Jacob a eu des problèmes avec Siméon et Lévi parce qu'il y a quelqu'un qui était venu violer ou bien il a pris une de leurs soeurs et ça a causé beaucoup de problèmes. Et Lévi et Siméon sont partis tuer ces personnes-là. Et Jacob a dit, mais pourquoi vous allez les tuer? Puisque ces personnes ont demandé vraiment de se réconcilier avec le peuple. Mais Lévi et Siméon n'ont pas voulu. Donc, lorsque Jacob voulait bénir le peuple, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, quand Jacob voulait bénir le peuple, que Jacob a fait? Jacob a maudit Siméon et Lévi. Les deux ont été maudits. Frères et sœurs, je vous ai dit que même si c'est l'héritage, quand tu maudis, ça reste maudit. Donc, Siméon et Lévi étaient restés maudits pendant très longtemps. Ils étaient maudits. C'est alors que Moïse maintenant va entrer en jeu maintenant. Quand Moïse va venir dans Deutéronome, Jacob a maudit, c'est dans Genèse 49, verset 5 à 9. Moïse entre en jeu. Deutéronome 33, verset 1, verset 7 et verset 9. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se lever et Adam va rétablir. Moïse va rétablir Lévi. Et Moïse va dire que Lévi ne meurt point. Donc, Moïse va prononcer beaucoup de bénédictions sur le peuple. Et à chaque fois que les gens prennent des bénédictions, c'est pour le peuple. Et cela s'accomplit. C'est là que vient notre héritage, frères et sœurs. Tout ce que vous possédez, c'est ce que les gens ont prononcé. Quand Jésus prononce, ça se réalise. On ne peut pas changer. Alléluia. C'est comme ça notre héritage. Notre héritage, c'est parce qu'on a travaillé. Déjà, dans l'Ancien Testament, on a parlé de notre salut. Ça a été planté. Avant que nous naissions, Jésus a déjà préparé le salut. On ne dit pas, j'ai travaillé avant. Non, non, non. C'est comme cela qu'on doit tout posséder dans le Seigneur. Alléluia. Et alors, donc, Moïse s'élève. Il rétablit les vies en le bénissant. Et puis ensuite, il va commencer à bénir tous les enfants de Dieu. En tout cas, tous les tribus. Il va commencer à bénir tous les enfants de Jacob. Alors, ce qui est important de souligner ici, il va bénir un enfant. Cet enfant-là, c'est là qu'on va s'arrêter, nous intéresse.
Il a béni Joseph, il a béni Lévi, il a béni les autres. Mais il y a un enfant qui nous intéresse, c'est Judas. Parce que à travers Judas vient notre sauveur. Donc tout ce qui va dire sur Judas, c'est pour le Seigneur, mais aussi c'est pour nous. Pourquoi? Parce que maintenant, nous prenons notre héritage du Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, regardez, lorsque nous lisons ici, on se rend compte que Moïse va bénir. Dans 2 Samuel 3, il va bénir donc le peuple, il va vraiment bénir Judas. Et c'est Judas, au verset 7 de 2 Samuel 3, qui nous intéresse. Il va bénir donc Judas. Écoutez attentivement ce que Moïse va prononcer sur Judas. Comme je vous ai dit, notre héritage n'est pas le fruit de la main. C'est une promesse. Donc, notre récolte, ce n'est pas un travail. Mais Dieu nous a bénis. Et alors, Moïse va prononcer des paroles sur Judas. C'est là que vient le Seigneur de Nazareth. Il dit ceci, premièrement. Il dit, écoute, ô Éternel, la voix de Judas. Moïse, en train de vocaliser ses bénédictions. Il dit, écoute, ô Éternel, la voix de Judas. Ça signifie quoi? Que réellement, tout ce que Judas dira, l'Éternel doit être attentif pour réaliser tout ce que Judas veut. Ce soir, Dieu veut vous bénir. Tout ce que vous allez vocaliser sera béni par le Seigneur. Alléluia! Pourquoi? Ce n'est pas à cause de vous, mais il y a des milliers d'années d'avance, Moïse a déjà prononcé cette bénédiction sur Judas, et à travers Judas, à travers nous, parce qu'on appartient à Jésus de Nazareth. Jésus est l'attribut de Judas. Donc, Moïse, en vocalisant cela, vous n'étiez pas encore né, mais déjà, la bénédiction était déjà préparée pour vous. Hello. When I say hello, you say ah, hello. Donc déjà, la bénédiction est préparée pour vous. Tout à l'heure, on va s'arrêter. Quand je viens sur le voie de l'étage. Donc ici, Moïse prononce, il dit, écoute, ô Éternel, la voix de Judas. Ça, c'est la bénédiction qui prononce comme cela. C'est très important. Si tu ne sais pas que Moïse a déjà prononcé cela, mais ce soir, je te dis que Dieu a dit, écoute, ô Éternel, la voix de Judas. Ça veut dire que tout ce que tu vas vocaliser, Dieu va écouter. Si jusqu'à présent, dans ta prière, tu n'as pas été exaucé, Dieu dit ce soir, il va t'exaucer. Pourquoi tu n'as pas été exaucé? Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Quand tu ne connais pas la chose, Dieu n'agit pas. Si tu ne sais pas ce que c'est que le Saint-Esprit, tu es quelque part là-bas, Dieu n'a pas été baptisé. Mais quand tu sais, il te bénit. C'est comme ça. Dieu ne force pas quelqu'un pour le bénir. Voici pourquoi il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Quand tu connais maintenant, il te bénit. Car c'est la connaissance qui libère. La connaissance qui libère. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. La Bible dit quoi? Vous connaissez la vérité, Jean 8, verset 32. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc il dit, écoute, ô Éternel, la voix de Judas. Frères et sœurs, essuyez vos larmes. Si jusqu'à présent, vous n'avez pas été écouté, vous devez comprendre que Seigneur, je veux que tu m'écoutes, pas parce que aujourd'hui, c'est aujourd'hui je j'ouvre la bouche, mais parce que c'est une promesse pour moi, pour que toi, Dieu, tu m'écoutes. Ce t'a déjà prononcé sur moi. Alléluia. Je dois posséder cela. Et puis la deuxième chose qu'il va dire sur Judas, au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Deuxièmement, il dit, ramène-le vers son peuple. Ah, écoutez attentivement. Il dit, ramène-le vers son peuple. Ce soir, maintenant, qui connaît l'aquarium? Lève la main. L'aquarium où on met les poissons. Voilà. Il dit, ramène-le vers son peuple. Il a demandé à Dieu, c'est quoi? Il m'a montré l'aquarium avec des poissons dedans. Il dit, mon peuple évolue dans l'aquarium. Et on les nourrit avec des petites nourritures. On donne dedans. Ils évoluent là, ils sont dans l'eau, ils évoluent là. Mais ramène-le vers son peuple, ça signifie quoi? Il dit non, il dit enlève un poisson. J'ai enlevé, il dit jette ça dans la mer. Jette dans la mer, le poisson a commencé à se promener. Il dit est-ce que tu peux nourrir le poisson qui est dans l'eau? Il dit non. Le poisson se nourrit comme il veut, comme il entend. Il veut partout, partout. Voilà, il peut se promener partout où il veut. Est-ce qu'on achète la nourriture pour lui donner? Non. Est-ce que c'est des miettes? Non. Et Dieu dit que son peuple était comme dans un aquarium où les gens évoluent, ils sont là, au milieu là. Vous avez vu qu'il y a des personnes qui sont pauvres à perpétuité. On les voit, ils sont toujours la même chose. Même chose, même chose. La même maison, ils ne changent pas. Mais ce soir, Dieu dit, il va te bénir à te same place. Alléluia. Il dit, ramène-le vers son peuple. Ce soir, Dieu dit, tu es dans l'aquarium. Tu n'arrives pas à évoluer. Dieu dit, non, enlève ces poissons-là. Il dit, vide l'eau. C'est une image, ma pote. Il dit,
vide l'eau, prends les poissons, mets-les dans l'eau, mets-les en liberté pour qu'ils puissent avoir ce qu'ils veulent avoir. Sinon, quand le poisson est dans l'aquarium, il est nourri par un mètre. Il met la nourriture, il met un peu là, il met quelque chose là. Si le patron oublie le poisson à faim, le poisson n'a rien, il n'y a rien dans l'eau. Ils sont dans l'aquarium. Et beaucoup d'enfants de Dieu évoluent comme ça. Toute leur bénédiction s'étire dans l'aquarium. Voilà qu'on vient un peu, souffler un peu, souffler un peu, souffler un peu. C'est comme un boiteux assis au bord du temple, assis au bord de l'eau. Un paralytique. Pendant 38 ans, un ange vient et puis dans l'aquarium là, il est mis l'eau. Et puis, c'est le premier qui descend, il est béni. Et à chaque fois, il est assis là. Pendant 38 ans. C'est-à-dire, s'il est entré à 10 ans, il a 48 ans. S'il est entré à 20 ans, il a 58 ans. Parce que 38 ans, c'est là de la maladie. Donc, ce monsieur venait, il remuait et il venait. Jusqu'à ce que la promesse arrive, le puissant arrive, lui-même qui a créé l'homme arrive. Quand Jésus est arrivé, il dit, c'est pas la peine d'être jeté dans la piscine. Il dit, lève-toi et marche. Alléluia. Il dit, lève-toi et marche. Parce que quand Jésus vient, la promesse se réalise. Le diable veut, ou il ne veut pas. Tout ce que tu vas vocaliser, ça va se réaliser. Alléluia. Ce que Jésus a dit, il est avec nous. Donc il dit, ramène-le vers ton peuple. Ce soir, Dieu me montre que plusieurs sont dans l'aquarium. C'est-à-dire qu'ils sont là. Ils sont dans l'aquarium. Ils bouffent un peu dedans. Ils tournent un peu. Ils sont dans l'eau. Des fois, ils ont faim. De temps en temps, on vient mettre un peu de nourriture pour le poisson. Et puis le poisson mange. La nuit, on met un peu de lumière. De la mission. Et puis il est en bas là. Et puis il évolue. Dieu dit, ce soir, il va te mettre au large. Alléluia. Il va te mettre au large. Pour que tu puisses comprendre. Tu vas quitter l'aquarium. Il dit, ramène-le vers son peuple. Ton peuple, c'est quoi? C'est là où se trouvent tous les poissons. D'ailleurs, le signe du chrétien, c'est le poisson dans l'Ancien Testament. Vous voyez, non? C'est un sous-poisson, c'est un voiture pour le poisson. Il dit, ramène-le vers son peuple. Ce soir, je vous dis quelque chose. Je termine en 10 minutes. Une chose est certaine. Ce soir, si tu es dans l'aquarium et que tu évolues dans l'aquarium, Dieu va te ramener vers ton peuple. Là où tu dois être béni, là où tu dois être loin, là où quand tu ouvres la bouche, la gloire de Dieu se manifeste. Tu ouvres la bouche, la richesse est là. Tu ouvres la bouche, la guérison est là. Alléluia. Troisième chose, là commence à arrêter. Troisième chose, il dit que ses mains soient puissantes et que tu sois en aide contre ses ennemis. Il dit que ses mains soient puissantes et que tu sois en aide contre ses ennemis. Donc, non seulement il ramène le peuple vers son peuple pour être béni, mais aussi le protège. Il dit que ses mains soient puissantes. Ça veut dire quoi? Qu'il écrase ses ennemis. Luc 10, verset 19. Jésus s'élève. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Si vous voulez posséder votre possession sans puissance, c'est pas bon. Parce qu'ayant la bénédiction, il faut avoir un pouvoir pour protéger votre bénédiction. Vous devez avoir l'onction de Dieu sur vous pour protéger votre bénédiction. Quelqu'un qui a des biens et qui n'a pas Jésus derrière, ses biens tombent. On a vu des personnes ici. J'ai vu un ministre là-bas derrière. Un ministre de Oufoué Gouani qui a pris un baka et puis se promène. Avec Oufoué, tout l'argent là, il a pris un baka. Toute la richesse, s'il n'y a pas de puissance Jésus derrière, tout se perd. Il a pris un bacard, on dit non, c'est un monsieur, je ne dis pas son nom. C'est lui, donc je suis bien présent, en courant derrière lui, pour voir qu'il, on dit c'est lui. Il n'a rien, on dit il a tout perdu. Frères et sœurs, Dieu vous donne le pouvoir. Il dit, plus soit que tes mains lui soient en aide contre l'ennemi. C'est-à-dire que l'onction de Dieu est sur vous, la puissance de Dieu est sur vous, la gloire de Dieu est sur vous. Et quand vous possédez, l'ennemi ne peut pas venir détruire. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et la personne d'aucun chagrin. Jusqu'à présent, est-ce que vraiment tu es béni? C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. On va demander à Dieu d'intervenir et d'agir puissamment. Je vous dis en train d'éteindre, en disant, premièrement, les biens, ceci, vous donnez la dîme, c'est très beau, mais d'abord, il faut savoir ce que c'est que le détail d'abord, avant d'aller sur les dîmes là-bas. Parce qu'en sachant cela, que réellement, tu as reçu tout par bénédiction, par révélation. Quand on parle de dîmes, maintenant, ça, c'est quelque chose de naturel que tu donnes, parce que tout ce que tu as, vient d'une promesse, non pas d'un labeur, non pas d'un travail. Alors, si on te donne tout gratuitement, on devrait te donner 10%, est-ce vraiment tu as quelque chose de plus. Le travail que tu as, c'est Dieu. Tout ce que tu as, c'est Dieu. Même tes études, c'est Dieu qui donne l'intelligence. On a été déjà bénis. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, la Bible dit ici, il faudra que ses mains soient puissantes
et que tu nous sois en aide. C'est pourquoi ce soir, avant de finir ce message, frères et sœurs, vous devez savoir d'où vient votre héritage. Avant de parler des autres choses, vous devez savoir cela. Parce que si vous ne le savez pas, c'est grave. Premièrement, écoute la voix de Judas. Donc Moïse dit que toute prière qu'on va prononcer à travers Jésus doit être exaucée. Nous, Dieu veut la libérer, veut la mettre là. Prions ensemble maintenant pour briser sa position. Écoutez ceci maintenant. Est-ce que quelqu'un pense qu'il est dans la période pendant que nous prions? Père, au nom de Jésus, j'ordonne à ce démon qui a mis la personne dans l'aquarium que ce démon s'éloigne de la personne maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Pendant que nous prions, frères et sœurs, on va demander maintenant l'action du Saint-Esprit de Dieu. Il faudra que vous soyez au large. Dieu me dit que certains d'entre vous ont des projets, mais vous évoluez dans l'aquarium. Dans l'aquarium, vous ne pouvez rien recevoir. On vous nourrit avec des graines. Mais au large, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Un poisson n'achète rien. Il reçoit tout dans la nature. Dieu lui donne tout. Dans tes affaires, tu verras que ce sont les marchés qui vont venir vers toi. D'habitude, tu couvres les marchés vont courir vers toi maintenant. Que le feu descende. Que le feu descende. Et le feu souffle.
La
l'aquarium là, vous avez l'aquarium, vous envoyez les poissons, on a des décidés pour les nourrir. On n'est plus dans l'aquarium. Vous savez quoi? Je ne suis plus dans l'aquarium. Je suis plus dans l'aquarium. Dieu dit qu'il vous bénit à blesser. Satan écoute. Tu veux ou tu veux pas, on est béni à blesser. Troisièmement, il dit que ses mains soient puissantes et tes mains lui viendront en aide. Alléluia. Rien ne peut vous arriver. Ça, c'est le paix à part. Pour commencer, ce que c'est que l'héritage chrétien. Ça, c'est le paix à part. Ça, c'est le paix à part. Voilà, le tu vas commencer un autre jour. Ça, c'est le paix à part. Quand on est libéré, quand on presse la dîme, les offrandes, les processus depuis la Genève, comment Dieu a créé les choses, quand on donne le 10%, ça, c'est après. Mais ce soir, vous êtes libéré par la puissance de l'onction. C'est un réveil. Je voudrais que l'onction qui est sur vous reste pour toujours. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi je vais demander à ces sœurs-là. Il y a plusieurs sœurs. Quand par exemple, prier, j'ai mis des langues de Dieu descendre sur les sœurs, sur les frères. J'ai dit à ces frères, à ces sœurs-là, ne vous asseyez plus. Allez-y évangéliser parce que Jésus est à la porte. Alléluia. Jésus est à la porte. N'attendez pas parce qu'il vous saisisse, vous projette. Mais là, Seigneur, je les confesse, je viens. Il y a des sœurs qui ont prié. Même il y a une sœur, il ne sait pas. Il y a une sœur qui a prié, qui a dit ceci. Seigneur, toute ma vie, tu t'es servirée. Et puis tu es venu, tu es assise. Tu vois le pasteur, tu dis rien. Toute ma vie, alors, tout, quand on fait des prières comme ça, toute ma vie, je te servir. Je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est pas pour t'asseoir. Quand tu viens vers l'Éternel, il faut l'accomplir. Fermez tous les yeux. Tu me parles maintenant. Il y a des personnes qui ont fait des vœux à l'Éternel. Tu as fait un vœu à l'Éternel. Tu as fait un vœu. Tu as fait un vœu. Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Dieu me montre, tu as fait des vœux au Seigneur. On ne fait pas des vœux comme ça à la Bahamas. On ne fait pas des vœux. Quand on fait des vœux, Dieu suit ça pour que tu puisses réaliser ces vœux-là. Il y a encore, c'est pas encore fini. Quelqu'un d'autre a fait des vœux. Je demande à ces gens qui ont fait des vœux. Il est temps que vous compreniez. Quand on fait Dieu au Seigneur, on doit réaliser ces vœux-là. Il y a une qui a fait au fond là-bas. Tu as aussi fait un vœu à l'Éternel. Tu dis que tu es fatigué. Tu dis que tu es fatigué, une quelque part au fond là-bas, pas ici, au fond là-bas. Tu dis que tu es fatigué, la sœur dit qu'elle est fatiguée. Tu es fatigué parce que tu n'as pas compris ce vœu que tu avais au Seigneur. Voici pourquoi tu es fatigué. Elle est au fond là-bas. Parce que tu es vivant. On va prier maintenant rapidement. Alléluia. Je vais prier avant de faire les autres. D'abord, je vais prier pour vous maintenant. Mettez la main sur votre cœur. On va prier. On est plus dans la période. On va prier maintenant. Ce soir, oh là là, j'ai pour l'impression que l'on va accorder. Ce soir, quelqu'un est venu dans cette salle avec un problème. Attendez, qui me montre maintenant ce problème. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de descendre dans la salle. Vous posez les mains aux gens, je voudrais plutôt m'arrêter ici pour ne pas qu'on dise non, j'étais poussé, moi je pousse personne. Le Saint-Esprit pousse les gens, de Alléluia, c'est lui qui vous choisit. Écoutez ceci, quelqu'un est venu ce soir, écoutez attentivement, je dis à la personne parce que c'est très très sérieux. Tu veux que ce soit avec un problème spécifique, avec un problème donné. Je ne te demande pas de lever la main, on n'est pas un spectacle, ça ne m'intéresse pas. Je dis à cette personne-là que ce soir, là où tu es venu, la maison qui est venue là, c'est la solution à ton problème. La personne se réconnaît, il est dans ta main de tout, pourquoi tu crois. Mais Dieu te dit que la porte que tu as frappée là, ici que tu es venu là, tu reçois la solution à ce problème maintenant. La seule chose que Dieu te demande de faire, comme Ésaïe 43, verset 18 le dit, il ne faut pas te souvenir des événements passés, car une nouvelle chose va s'élever dans ta solitude. Une nouvelle chose s'élève maintenant dans ta vie maintenant pour te dire ce qui t'a créé des problèmes depuis le temps passé, ces choses disparaissent maintenant. Tu n'es plus dans l'aquarium qui te met au large. Lorsque tu vas arriver à la maison, si tu veux témoigner dimanche, vous venez témoigner dimanche. S'il y a le temps, tu sais, c'est le dimanche prochain. Mais je ne sais pas, je ne sais pas comment construire mon calendrier. Venez témoigner, alléluia, de ce que Dieu a fait dans votre vie. Mais ce soir, ce problème avec lequel tu es venu, Dieu dit ce problème est venu sur toi.
Ce problème est déplacé maintenant. Amen. J'ai prié pour vous mettre la main sur votre cœur. Je vais prier pour vous maintenant. On va demander à Dieu d'agir.